viennent tout droit d'Arménie soviétique. Le plus âgé d'entre eux n'a pas 16 ans. Ils forment le ballet Titernik, ce qui veut dire papillon. Aujourd'hui, ils découvrent Genève. Ils viennent y danser au profit du centre d'enfants Aralès de Kirovagan. Car après le séisme, après le Karabakh et le nouveau massacre, l'Arménie a plus que jamais besoin du soutien de l'Occident. Devant le drame, la Suisse, comme la France, a su se montrer généreuse et la communauté arménienne de Genève a fait preuve d'un magnifique élan. Pour ces adolescents qui n'ont jamais jusqu'ici quitté leur pays natal, tout dans les rues de Genève est source de curiosité. Leur aventure, ils la doivent en grande partie à SES Arménie Suisse, dont Claudine Bakdjian est l'animatrice. Et au lendemain du séisme, SES Arménie Suisse s'est donc bien sûr, comme partout ailleurs, mobilisée. Et les choses ayant évolué, nous avons concentré nos efforts sur un centre de réhabilitation d'enfants à Kirovagan, le centre Aralès, qui est, avec l'aide d'instructeurs sur place, a pris en charge des enfants traumatisés par le séisme. Et l'idée nous a semblé bonne de faire venir ces enfants, des enfants d'Arménie qui vont danser pour leurs frères et sœurs. Eux ont des familles, ont un logement, d'autres ne sont pas dans le même cas. Ils sont originaires de quelle ville? Les enfants du groupe sont tous originaires d'Etchmiadzin. Donc ils n'ont pas subi le séisme, eux? Non, peut-être que certains ont été quand même affectés dans leur famille, mais directement ils n'ont pas été concernés. Et donc ils viennent ici pour danser et recueillir des fonds? Et recueillir des fonds. Ils ont d'ailleurs une tournée à travers toute la Suisse. Le 7, bien sûr, nous avons choisi Genève puisque c'est l'anniversaire du séisme. Et après Genève, ils vont à Zurich, Schaffhausen, là partout où les associations arméniennes sont présentes. Le siège du Conseil œcuménique des Églises à Genève retentissait cet après-midi-là d'une musique inattendue. C'est que le Conseil, qui n'a jamais mesuré son aide à l'Arménie meurtrie, a participé à la mission du ballet Titernik en Suisse. Et pour le remercier, les enfants arméniens sont venus interpréter quelques-unes de leurs danses dans la cour intérieure du Conseil. Alors c'est une association de danse, ce sont de jeunes danseurs, quel âge ont-ils? Ils ont entre 8 et 15 ans, ils sont 32 enfants d'une école de 200 enfants et ils ont un niveau pratiquement professionnel. D'ailleurs deux d'entre eux sont professionnels et ce qui est remarquable c'est pour cet âge-là leur professionnalisme. En fait, la venue des jeunes danseurs arméniens au Conseil œcuménique est une longue histoire. Teni Perissimonian, directrice du bureau de ressources, la raconte. Ça commence avec le séisme, parce que juste après trois jours après le séisme, notre secrétaire général, le pasteur Emilio Castro, a envoyé une délégation pour présenter notre solidarité à sa sainteté Vatican Ier. Et lui demander comment les mouvements œcuméniques peuvent aussi participer dans ce processus de reconstruction.
L'église arménienne, comme cela est traditionnel dans l'histoire de l'Arménie, est au cœur de la collecte et de l'acheminement des secours. Le catholicos Vascan Ier, face au drame et aussi aux embûches, reste infatigable. Et plus tard, c'était dans le mois de mai, on avait une consultation orthodoxe à Minsk. Et on avait déjà décidé ici, les collègues orthodoxes, qu'après cette consultation, nous allons partir en Arménie pour quelques jours pour voir comment la reconstruction déroule. Et à cette occasion, on a assisté à l'une des présentations de ces enfants à Etchmiadzin, là où se trouve aussi le centre de l'église arménienne. Et après qu'on était présentés comme les représentants du Conseil œcuménique des églises, qui venaient encore suivre le travail de l'église dans ce gros travail de reconstruction, ils nous ont exprimé leur souhait de venir et aussi remercier les collègues et le mouvement œcuménique en faisant une petite présentation ici. Ce n'est pas souvent que le Conseil œcuménique accueille un balai. Todor Sabev, secrétaire général adjoint, s'en explique à son tour. Merci de l'intérêt que vous portez sur cet événement. Les églises en Suisse et en France, en coopération avec toutes les églises dans le monde entier et les organisations œcuméniques, portent également un intérêt particulier à l'égard de tels événements. Nous étions co-invitants à cette équipe d'enfants, de danseurs et danseuses qui sont en train de visiter plusieurs centres culturels dans ce pays et dans les pays voisins pour exprimer leur joie et leur tristesse, leur reconnaissance à tous ceux et à toutes celles qui se sont engagées dans ce processus d'amitié et de solidarité avec le peuple et les églises en Arménie. La petite église arménienne apostolique de Troyes, près de Genève. Durant leur séjour ici, les jeunes danseurs du ballet titernique sont venus régulièrement assister aux offices ou simplement prier en commun. Amen.
Aspect sévère des rues de la vieille ville de Genève, c'est là que siège le Conseil d'État, dont Dominique Follny est le président. Monsieur le Président, l'intérêt que les citoyens de Genève et les Suisses en général manifestent à l'égard de l'Arménie ne date pas d'hier. Non, effectivement, je crois que c'est de tout temps que le peuple arménien concernait la Suisse, et Genève en particulier. Il y a eu beaucoup de contacts, des enfants sont revenus à Genève, nous en avons, et en Suisse également, nous avons toujours beaucoup apprécié cette population. Le président de la communauté arménienne de Genève me disait combien il avait été touché par l'aide que les Suisses, les citoyens suisses, avaient apportée à l'Arménie au moment du séisme. Est-ce que vous pourriez nous dresser un petit bilan de cette aide? Écoutez, je crois qu'il y a eu trois volets. Il y a eu d'abord une intervention immédiate du corps d'intervention suisse d'aide en cas de catastrophe, qui est intervenu avec du personnel infirmier, est évidemment également intervenu avec des chiens pour essayer de trouver des survivants, et ceci dans la première semaine, dans les 10 premiers jours qui ont concerné la catastrophe. Ensuite, il y a une deuxième intervention, alors qui est plus longue, c'était de l'aide venue de l'ensemble des œuvres d'entraide suisse, caritatives suisses. Et il y a eu une grande émission de la télévision, d'ailleurs, qui a permis de récolter beaucoup d'argent, effectivement, puisque le montant s'est élevé à 17 millions de francs suisses. Puis les œuvres caritatives ont également demandé de l'aide, et c'est près de 8 millions de francs suisses qui ont pu être ainsi récoltés. Et à travers ces diverses œuvres caritatives, ensuite des contacts ont été pris avec la population arménienne. Mais je dois dire que c'est surtout à travers l'Église arménienne que toute cette situation peut être menée, que des contacts sont établis et que des réalisations peuvent être menées à chef. Et puis vous avez bien sûr SOS Arménie Suisse qui a également énormément travaillé pour cette population. Et je crois qu'ainsi on peut essayer d'apporter un peu d'aide. Alors, est-ce que néanmoins, il y a des échanges, et notamment sur le plan de la formation? Alors, sur le plan de la formation, pas dans l'immédiat encore. Il y a bien sûr des jeunes, des enfants qui sont venus, encore tout récemment et encore cette semaine, en Suisse. Mais au niveau de la formation proprement dit, pas encore. Président de la communauté, Veig Abrash a fait de son hôtel Windsor un centre de réunion. Est-ce qu'on peut essayer de tracer un bilan rapide de toute l'aide que la communauté de Genève et de Suisse a apportée à l'Arménie depuis le séisme? Je dois dire que depuis le séisme, le facteur principal de la réussite de la SOS Arménie a été la grande générosité de la population helvétique. En effet, sans cette générosité de la population helvétique, il ne nous aurait été pas possible d'envoyer 800 tonnes de marchandises par avion, marchandises diverses, médicaments, matériel médical. Alors, quelle est la participation de la communauté? De quoi ont besoin ces enfants? Ces enfants ont besoin surtout d'une aide morale. Cette aide doit se faire par l'envoi de missions de soutien qui se fait actuellement chaque mois de la part de la communauté et également un soutien matériel parce que le centre qui est en train de se construire sera un centre d'un budget de 3 millions de francs suisses et actuellement la communauté arménienne n'a que 1 800 000 francs suisses. Donc vous avez encore besoin de recueillir des fonds? Énormément. C'est une des raisons de cette opération des jeunes danseurs qui sont venus ici? Exactement, c'est une des raisons et je crois que ça a été un très grand succès et nous sommes heureux d'avoir pu amener ces petits-enfants ici afin qu'ils dansent pour les enfants sinistrés d'Arménie. Grande soirée genevoise pour les jeunes danseurs arméniens, ils donnent leur spectacle au théâtre de la Maison du Faubourg. Mesdames et messieurs, bonsoir. 7 décembre 1988, 11h42, Spidak, Lenina Khan, Kirovagan, Stepanavan, ville du nord de l'Arménie, vivent à leur rythme de tous les jours. 11h43, un bruit sourd déferle dans la région. Les maisons se soulèvent et redescendent comme dans un mouvement de vagues. Les immeubles commencent à s'écrouler, le sol se fendille et des crevasses se forment. C'est l'horreur. La panique durant plus de 40 secondes. Puis, c'est le silence. Un terrible tremblement de terre venait de frapper 12 000 km² de l'Arménie, un territoire aussi grand que la Suisse romande. Thank you.
Comme la nation arménienne a toujours survécu à la déchirure, ses enfants, symboles de gaieté, sont venus apporter leur contribution aux enfants sinistrés d'Arménie. C'est par un ballet symbole que commence le spectacle. Sur la musique de « Ils sont tombés » de Charles Aznavour et Pierre Gavarens, les danseurs miment le destin tragique de l'Arménie, aujourd'hui et autrefois. Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre. Avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés pudiquement, sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable et puis d'oubli. Cependant, pour des dizaines de milliers d'Arméniens, la vie continue sous les tentes. La reconstruction se fait attendre, les conditions d'existence restent précaires. La Suisse poursuit trois grands projets en Arménie. Le docteur Agnetta Stepanian y collabore. De ces projets plus ou moins avancés, le premier est un centre d'uronéphrologie. C'est exact. Donc en fait, parmi ces trois projets, le centre d'uronéphrologie a débuté, la mise sur pied a débuté au mois de janvier où des équipements de dialyse ont été envoyés en Arménie. Et à la suite de ça, donc, il y a eu des contacts permanents et finalement, donc, le projet n'a pas encore abouti totalement, mais on a l'intention donc de mettre ce centre sur pied complètement avec l'équipement nécessaire et surtout donc de former les médecins et de les envoyer à l'étranger pour leur formation. Alors le deuxième, c'est le centre de neurologie. Le centre de neurologie est déjà fonctionnel. À savoir, donc, ça se trouve à l'hôpital Yerebouni de Yerevan. Et il y a donc déjà les médecins qui sont sur place, l'équipement qui est sur place. Et c'est un centre qui fonctionne. Mais de nouveau, donc, le même projet de former les médecins à l'étranger. Amis, il s'agit de traiter quel cas? Donc ce sont des patients qui ont des pathologies neurologiques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Arménie, il y a quand même une très grande commercialité, il y a beaucoup d'épilepsie, et il y a également donc, toutes les épilepsies post-traumatiques. Et c'est en vue de ce but, en fait, que ce centre a été créé. Et également, la construction du futur centre Aralèse, qui est un centre de psychothérapie pour enfants. Alors, quelles sont, à l'heure actuelle, les opérations en cours? Alors, SOS Arménie a décidé de se branché sur un projet très distinct, c'est le centre Aralèse. C'est un centre de psychothérapie, comme je vous l'ai dit, où actuellement il y a 2000 enfants soignés. Ce sont 2000 enfants qui ont été traumatisés par le tremblement de terre du 7 décembre. Il s'agit effectivement du projet le plus important qui a déjà pris corps, qui est fonctionnel à partir du mois de mai. Il faut peut-être rappeler qu'en URSS, il n'y a pas du tout, il n'existe pas du tout de centre de ce genre. C'est le premier
qui existe en URSS actuellement. Au mois de mai, en fait, c'est une dame, une psychologue du nom d'Anaït Azalian, qui a voulu créer quelque chose qui réponde en fait aux besoins des enfants traumatisés par le séisme et qui présentait surtout donc tous les problèmes inhérents au stress, à savoir les névroses, les dépressions, etc. On peut appeler ça une sorte de réhabilitation mentale. Il s'agit d'une réhabilitation mentale. Donc, avec l'aide de CES Arménie, cette psychologue a créé sur place à Kirovakan un centre de réhabilitation. C'est un centre de réhabilitation plutôt psychosociale, à savoir l'existence donc de sociologues et de psychologues sur place. Est-ce qu'ils disposent de locaux suffisants? Alors actuellement oui, parce qu'il y a un bâtiment qui a aussi été acheminé de Suisse. Il y avait déjà une colonie de vacances qui est en train d'être retapée. Et ils disposent surtout de plusieurs hectares de terrain qui a été donné par le gouvernement russe. Alors le processus est le suivant. Chaque fois que les enfants arrivent accompagnés d'un parent, donc il peut s'agir de leurs propres parents ou d'un membre de la famille, ils sont vus par le psychologue et le sociologue. Donc les deux critères sont extrêmement importants, parce que si l'on prend l'exemple de l'Italie du Sud lors du séisme, eh bien il y avait une réhabilitation psychologique, mais pas sociologique, et ça s'est avéré être un échec relatif. Alors combien d'enfants ont été traités jusqu'à aujourd'hui? Alors à ce jour, il y a plus de 2000 enfants. Et comme il s'agit du seul centre en URSS, il y a également des enfants qui viennent d'autres républiques, et notamment de Tchernobyl. Le spectacle des jeunes danseurs du ballet Titernik se termine un peu comme il avait commencé, sur la chanson « Pour toi, Arménie » de Charles Aznavour et Pierre Gavarens. Elle est tirée du disque symbolique dont les recettes vont au fond de secours pour l'Arménie. L'Office national de la culture et des traditions arméniennes organise du 7 avril au 23 avril 1990 un voyage culturel et spirituel en Syrie. Aux sources des civilisations millénaires, Ougarit, Ebla, Mari, Palmyre, Doura Europos, Sergiopolis, Bosra et Saint-Siméon le Stylite. Au berceau du christianisme, dans les couvents de Maloula, Sednaya et Saint-Georges. À l'époque des croisades, au château du Krak des Chevaliers, Safita, Markab et Saladin. À Damas et Alep. Renseignements et documentation pour ce pèlerinage spirituel du 7 avril au 23 avril 1990, veuillez écrire en indiquant votre téléphone à l'Office national de la culture et des traditions arméniennes, 16 rue José-Maria de Heredia, 75 07 Paris.